Donc ici on rentre dans la salle d'armes avec des coffres. Par exemple ici donc j'ai mon coffre où moi j'ai mon armement, mon arme ici. Et les munitions qui sont enlevées et mises dans un autre coffre de l'autre côté. Les 23 policiers municipaux à Rieux-la-Pape sont équipés d'armes à feu depuis près de 25 ans. Ici, la question sur l'armement ne se pose même plus. On côtoie 32 000 habitants qui peuvent être, comme 90% des gens, super gentils, puis il y a les 10% qui restent, quoi. Donc le policier, pour se protéger lui et protéger la population, il doit être armé, et à Rieux on l'est et on a cette chance-là. Les équipages patrouillent et assurent les missions de sécurité publique, l'arme à portée de main. Ils ont suivi des formations pour cela. 2 jours de théorie sur les aspects juridiques, 8 jours pour la pratique. Ils doivent régulièrement s'entraîner et sont suivis par des instructeurs professionnels. On leur apprend à évaluer les situations. Même une simple mission de stationnement ou de circulation routière, la personne, on ne sait pas qui vous allez arrêter. Donc ça peut être quelqu'un qui est recherché, ça peut être quelqu'un qui veut se soustraire à la police. Et puis il voit un uniforme, il se dit « moi je fais feu ». Ou simplement quelqu'un qui est énervé. Il vient d'y avoir une bagarre de couple, vous arrivez vous tranquillement là-dessus, et puis boum, le gars il est super énervé. Il va regretter son geste, certes, dans la tendance, c'est votre vie qui est derrière, quoi. En 25 ans, à plusieurs reprises, ils ont dû sortir leur arme à des fins dissuasives. Mais jamais, ils n'ont eu à tirer sur quelqu'un.